Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme. J'espère que vous allez bien parce que moi, ça va plutôt tranquille, hein. Je suis toujours hacké, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai réussi à me refaire un petit peu de Kama avec les colisétons qui me restaient. J'ai acheté deux galets brésiliens, je les ai mis en vente et j'avais des clés Royal Mood, j'en avais 14 ou 15, je sais plus. Et je les ai mis en vente, donc voilà, je suis arrivé à plus ou moins 1,1 million. Il y a Dark Esper qui m'a offert des captures de petits mobs pour me faire avancer dans la quête du Dofus Ocre. Donc je suis arrivé à l'étape 6, là j'ai plus que 3 monstres à amener. J'ai déjà Rat Dégoûtant, je l'ai capturé juste avant de partir. Il manque plus que ces deux là, enfin soit. Donc, il m'a dit comme ça t'auras plein de pierres de capture d'âme et tu pourras les revendre. Donc franchement merci à lui. Et par contre je voulais faire un petit coup de gueule parce que franchement les 10 dernières heures, donc depuis que j'ai posté ma vidéo sur le hack, franchement je suis vraiment déçu par mes abonnés, par ma petite communauté, parce que je vais un petit peu vous expliquer. Déjà vous êtes complètement fous parce que la vidéo a été postée à 14h38. Il est 22h52, donc il s'est passé 8-9 heures maximum. Regardez un petit peu, les vues ont été bloquées à 301, donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus que ça. Je me suis tapé 60 pouces rouges, donc là je comprends vraiment pas trop. Et il y a 271 commentaires. Je les ai lus tous, sauf les 3 derniers que j'ai pas encore vus parce que je viens de rafraîchir juste avant la vidéo. Et franchement, je suis vraiment déçu de certaines personnes. Il y a tout le monde qui pense que c'est un faux hack. Donc je sais pas vraiment ce que vous appelez un faux hack, mais bon, moi ça me fait pas rire de me connecter et de voir qu'il n'y a plus rien sur mes persos. Enfin voilà, je sais pas comment vous voyez ça, mais j'en ai retenu 2-3, donc voilà. Quand ses abonnés se font hack et que c'est vrai, demande un peu d'aide. Donc j'essaie de déchiffrer parce que c'est pas très... très très français en face. Capi, tu disparais, mais quand c'est toi qui te fais hack soi-disant, là tu donnes ton cul aux gens et on t'aide pour nous tes abonnés, s'il te plaît, prends nous pas pour des cons, fais une vidéo d'excuses et oublie. Je vois vraiment pas pourquoi tu dis ça, parce que en même temps, imaginez le truc, j'ai plus ou moins 2700 abonnés, là je sais plus exactement le chiffre. On va regarder tout simplement. Imaginez que, même on va pas prendre beaucoup, imaginez, voilà, 2756. Imaginez que 5 personnes se font hack. Un bête exemple. Il y a 90% des personnes qui sont déjà pas de mon serveur dans mes abonnés, donc je vois pas comment je pourrais vraiment vous aider. Et imaginez que je fais une vidéo pour chaque personne qui se fait hack. Imaginez l'abus, parce que je suis sûr qu'il y a des gens, ils vont transférer leur compte, enfin ils vont dire qu'ils sont hack alors qu'il n'y a rien du tout. Déjà personnellement je vous connais pas vraiment, enfin j'en connais quelques-uns, mais je connais pas tout le monde, on va dire. Sur les 2700, si j'en connais 20, c'est bien. Je vois pas comment je pourrais vous aider plus que vous dire utilisez mes techniques Kama comme j'ai donné, et puis voilà, essayez de vous en remettre comme je suis en train de faire, quoi. Enfin je sais pas vous aider de plus. Il y a d'autres personnes qui ont dit ouais, allez regarder sa page perso, il a toujours ses stuff d'avant. Là vous le voyez en direct, j'ai le stuff que avait Maxel, donc c'est des bêtes items avec de la force pour augmenter les pods tout simplement. En plus de ça, deuxième truc, tout le monde dit ouais, tu dis que tu t'es fait hack, mais t'as toujours une coiffe relivant. Avant toute chose, tout le monde dit que je l'ai acheté, mais vous pouvez voir ici. Comme ça, les rageux ferment un petit peu leur gueule. Échangeable dès le 16 du 12, donc je pourrais seulement l'échanger fin décembre, donc mi-décembre plus ou moins. Donc le hacker n'a pas pu la prendre. Il avait même changé, il l'avait mis sur une coiffe aventurée, vous avez pu voir dans l'autre vidéo. Alors, encore autre chose, je sais plus trop où j'ai vu ça. Voilà, à tous les gens qui disent encore hack, arrêtez de faire semblant. Je sais que sur Dofus, un compte n'est jamais à l'abri d'un hack.
Personnellement, j'ai déjà été hack ou j'ai déjà hack, et sachez que absolument rien ne peut éviter ça, même un mot de passe à oui, mais autant de caractères. Donc ça, d'accord, mais je sais plus exactement. Voilà, là il y a des gens qui parlaient de mon premier hack. C'est vrai que quand on lit, enfin quand on suit un petit peu l'histoire, c'est vrai que ça a l'air quand même un peu bizarre. Même moi, il y a des jours où je me dis putain, j'ai quand même eu de la chance de que le gars m'ait rendu mes items. Mais je sais pas si vous avez tous suivi, mais le type m'a demandé que je retire la première vidéo où j'avais dit que je m'étais fait hack. Parce que j'avais divulgué son adresse, son nom, son numéro de téléphone et tout ça, enfin je sais plus trop quoi. J'ai dit plein de choses, c'était vraiment pour le menacer plus qu'autre chose quoi. Et il m'a demandé, il m'a dit je veux bien te rendre tes trucs, à condition que tu retires la vidéo pour pas qu'il y ait de problème quoi. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais une personne qui hack, comme on dit ça, si la personne est retrouvée, on peut porter plainte en police carrément, parce qu'il y a ces deux, y a vol de biens. Donc déjà on peut pas, dans la loi c'est interdit de voler le bien des autres, et en plus c'est usurpation d'identité, parce que la personne elle m'a hack mon compte, donc elle s'est connectée sous un compte qui est enregistré à mon nom à moi. Donc si jamais il avait imaginé insulter des modérateurs ou n'importe quoi, bah, s'il y avait eu des problèmes ça aurait été pour ma gueule. Voilà, donc j'étais pas au courant, donc on peut déjà inculper juste pour ça. Et apparemment j'ai demandé un petit peu autour de moi à des amis qui sont en droit, et ça peut être sujet à prison carrément. Donc c'est pas un truc qu'on prend à la légère. Les comme ça, il y a des gens qui se font voler leur compte Facebook, et les gens sont retrouvés, et les gens se retrouvent en prison. Donc c'est juste pour vous dire un petit peu que c'est pas un truc qu'on prend à la légère comme ça. Voilà. Mort de rire, ton cœur préféré. Toi aussi, tu penses que c'est un faux, que c'est un fake. Bon, là, franchement, j'ai même pas envie de répondre, parce que moi, ça me fait pas rire du tout. Tout simplement parce que voilà, moi ça me fait chier. Je vous ai fait une vidéo juste pour vous dire que, bah, que niveau colisome et tout ça, bah, ça allait mettre du temps. Même je pense pas que je vais réussir à en refaire un jour avec Capi, parce que franchement, je me vaux mal faire un colisome avec un chapeau terre d'Allah et un sac de caouettes. Donc enfin soit, il me reste encore plein de petites captures. Enfin ça c'est pas trop grave. Et j'ai plein de choses à vous dire, mais j'ai un petit trou de mémoire là. Ah oui, y a une personne qui a mis un commentaire, ça je l'ai gardé le mail, parce que franchement ça m'a fait plaisir de voir qu'il n'y a pas que des gens qui pensent que c'est un fake, alors que c'est pas du tout un fake, pas du tout, franchement vous vous trompez. Vous êtes réellement une bande d'imbéciles, est-ce qu'il vous a demandé quoi que ce soit? C'est vrai, vous regardez la vidéo, je vous pas à une seconde je vous demande de l'aide ou quoi que ce soit, j'ai juste fait la vidéo pour vous dire que je m'étais fait hacker, et pour enfin que je comprenais pas comment ça se faisait, que ça pouvait être fait alors que Anka Shield, qui est censé protéger nos comptes, bah, a rien fait du tout. J'ai un antivirus de barbare, je fais des scans avec malware anti-bitch, je sais pas quoi, là presque tous les jours. Mon PC, il n'y a aucun cookie qui est enregistré. Enfin, vraiment, mon PC, c'est. Je fais vraiment super gaffe depuis la première fois. Donc là, je comprends vraiment pas. Il y a des gens qui m'ont dit dans la guilde que le gars qui s'est connecté, il a parlé en mon nom. Une histoire de bot ou je sais pas quoi. Donc si jamais je vous ai parlé dans la nuit du 10 au 11 novembre, ouais, voilà. En tenez pas compte, parce que j'ai pas joué du tout avant ce matin. Donc si je vous ai dit quelque chose, ben oubliez complètement. Je sais pas du tout, mais c'est parce qu'il y a une personne de la guilde qui m'a dit que le gars avait parlé. Donc franchement, oubliez complètement ce qui a été dit. Autre chose, voilà aussi, là vous pouvez voir. Depuis que j'ai commencé la vidéo, il y a eu 13 nouveaux commentaires. On va réfléchir pour voir. Yo les Kikou, maintenant le site d'Offus est mis à jour, vous pouvez donc voir ce qu'il est bien et bien hacké. Êtes-vous content? Franchement, je serais dégoûté à sa place de m'être fait hack et de me rendre compte que mes abonnés me prennent pour un mytho, comme si ça suffisait pas bien, a besoin de soutien pour les gens comme ça. Eh ben voilà, bah lui, je vais lui mettre un pouce vert. Franchement, c'est le genre de réaction que j'attends, parce que vous êtes complètement fou, hein. Regardez ça, 271 commentaires, là on va rafraîchir, ça va encore augmenter.
C'est un truc de malade mental. Je comprends pas comment c'est possible d'arriver à des chiffres pareils, enfin soit. Donc en plus, je dis encore une fois, j'ai demandé aucune aide. Je vais essayer de m'en sortir moi-même par mes propres moyens. J'ai encore mon frère qui a un crâne niveau 178 qui est stuffé. Donc si j'ai besoin de dropper des trucs ou quoi, je pourrais prendre le CRA. Limite, si vous voulez vraiment que je vous fasse du Coliseum, je prendrais peut-être le CRA pour faire des combats avec. Je vais essayer de trouver des techniques Kama, les tester. Et comme ça, comme pour le moment j'en ai vraiment besoin et que j'ai plus vraiment un gros capital comme avant pour le faire, je pourrais justement, donc, limite, dans mon malheur, ça peut faire votre bonheur parce que je vais essayer de trouver vraiment le maximum de techniques Kama et de vous les donner. Je suis en train de faire. Par contre, j'ai peur d'une chose, c'est que. Je trouve des techniques. Par exemple, moi, bêtement, quand je trouve des techniques, je tape sur YouTube astuces Kama. Je prends celles qui ont été le plus vues, je les teste et puis je vois si je peux en faire une vidéo ou pas. J'ai pas envie non plus de piquer entre guillemets des techniques Kama à des gens parce que déjà ça se fait pas trop parce que déjà leurs vidéos ont été faites. Mais si je fais ça, franchement, je ferai limite un lien pour vous référencer vers la technique Kama de base. Limite que je la fasse un peu plus clairement parce que les ab enfin mes abonnés, donc vous ceux qui écoutent cette vidéo, sont plus habitués à ma voix parce que c'est vrai qu'il y a des gens des fois ils expliquent pas trop bien parce que peut-être c'est la première fois qu'ils font une vidéo et tout ça. Je dis pas que j'explique mieux n'importe qui, mais bon, j'ai plus d'expérience on va dire. Donc si j'en ai vraiment besoin de la technique Kama, je vous la ferai suivre. Et je la testerai avant pour être vraiment sûr de ne pas vous refiler un truc qui va vous ruiner complètement. Donc voilà, j'ai pas regardé les autres commentaires. Chose ces vidéos. Moi je dis faux hack ou pas, on suit Capi pour une chose ces vidéos sur YouTube. C'est vrai, en même temps tu t'appelles Kevin. Non, je m'appelle pas Kevin, désolé. Réfléchissez, bande de blues. Capi devrait être le pire con de toute la Terre pour simuler un faux hack deux fois dans ce cas-là. Mais à ce que je sache, ce n'est pas un et je n'en vois pas l'intérêt, même pour quelqu'un comme lui, donc fermez vos bouches. Donc j'ai vu aussi. Bon, merci à. Inoristo, voilà, merci à toi de mettre des commentaires comme ça. J'espère que les gens vont les lire parce que franchement, ça me désole un peu. Franchement, je suis vraiment dégoûté de la réaction de certaines personnes. Il y en a d'autres qui disaient, ouais, t'as même pas l'air désolé. Moi, personnellement, je me ferais hack, je serais vraiment dégoûté. En même temps, j'ai 19 ans, je vais bientôt sortir de l'école, j'ai un petit boulot, je fais du sport à assez haut niveau. Dofus, c'est mon passe-temps quoi. YouTube, c'est mon hobby. Faire des vidéos, le Dofus, c'est vraiment. Franchement, on me dirait arrête Dofus. Ben voilà, c'est pas parce que j'ai été hack là que ça va me dégoûter d'arrêter de jouer. J'ai même vu des gens qui lui répondaient ouais, mais tu sais quoi, t'as un kikou parce qu'il y a des gens carrément, ils se suicideraient. Vous imaginez même pas ce que les gens ont mis. C'est un truc de fou. Si vous voulez voir, tiens, qu'à vous qu'à lire les commentaires. Personnellement, j'ai mis plus d'une heure. J'ai démarré chez moi et j'étais dans le train. J'ai lu ouais, pendant plus ou moins une heure. J'ai essayé de lire tout et je suis arrivé au bout quand je suis arrivé, plus ou moins. Donc, ça a mis plus ou moins une heure pour tout lire. Donc, si ça continue à augmenter, franchement, vous êtes complètement malade parce que c'est un truc de fou. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, j'ai lu presque tous les commentaires. J'ai demandé encore une fois aucune aide, franchement, même si vous. Il y a des gens qui disaient ouais, t'es pas comme Vidéofus, tu ne demandes pas à tout le monde si vous arrêtez Dofus, tout ça. J'ai envie de dire rapport avec un gros point d'interrogation. Vidéofus, il fait une série avec des sadis. Il a des persos, il a une team de 8 persos niveau. Je crois que le plus petit niveau doit être genre 170 ou 180. S'il vous demande de l'aide comme ça, et en plus, c'est pas vraiment. Mendier parce qu'il dit juste si vous arrêtez Dofus, je suis preneur parce qu'il préfère que avoir des choses que plutôt que ça dorme sur des comptes comme j'ai un ami à l'école bêtement il a un stuff il a un yop niveau 199 en panneau glour avec un tutu et il joue plus depuis 3 mois voilà son perso il est en train de dormir alors que je lui ai demandé plusieurs fois si vraiment il reprenait pas que son compte je voulais bien l'utiliser quoi.
Et voilà quoi. En même temps, il y en a plein qui disent ouais, tu joues, tu simules un faux hack parce que tu joues sur ta popularité. Déjà, je vois pas ce que ça change parce que j'ai déjà des potes qui se sont fait hacker et on s'est mis à plusieurs alors que le gars était pas connu du tout. Donc voilà, si je dois avoir un peu d'aide, c'est à mes amis de IRL, même mes amis IG. Que mes abonnés, comme moi la vidéo, je vais vraiment faire ça juste pour vous informer, quoi. Donc voilà, je parle depuis déjà un quart d'heure. J'essaye de pas être trop méchant parce que vous connaissez ma voix, j'arrive pas à comment dire à extérioriser ça quand je fais une vidéo. J'ai pas envie de m'emballer non plus parce que voilà, comme je venais de le dire, YouTube c'est mon hobby. Je fais pas ça vraiment parce que je me sens obligé. Quand j'ai pas envie de faire vidéo, je fais pas de vidéo. Quand j'ai envie d'en faire 15, ben j'en fais 15. Voilà. C'est tout. Donc bah, je crois que c'est un petit peu tout. J'espère que, bah, que la tension dans les commentaires entre les abonnés vont un peu se calmer parce que j'ai même vu des insultes entre chacun. Enfin franchement, essayez de vous calmer les gars. C'est pas la fin du monde quoi. L'épouse rouge, bah franchement je sais pas trop quoi dire les gars. Je sais pas quoi faire pour vous montrer de plus quoi. J'ai aucun autre compte avec mes machins. Il n'y a pas tout qui va réapparaître comme par magie, comme certains ont l'air de le croire. Donc voilà quoi. Je réfléchis si j'ai pas encore quelque chose à dire. Tant que j'y suis, je vais faire un petit tour sur la guilde. On est 55 membres. J'ai retiré certains de mes persos parce qu'on est arrivé à 60, donc il n'y avait plus de place. Pour pouvoir inviter plus d'abonnés. Que dire? Bah, petite dédicace à tous ceux de la guilde qui me demandent souvent, ouais, fais une dédicace sur la guilde et tout ça. Je vais juste faire. Allez, on va prendre. Alors, je fais une grosse dédicace aux 5 premiers qui ont XP la guilde. Donc, il y a Héraclès, 405 000 XP, merci à toi. Anveline, c'est un ami IRL, 404 000 XP. Necrohash, 100 000. Xelol, aussi un ami IRL, 67 000. Et ah ben moi-même, 61 000. Donc après, dans ce Ultimatomex, petite dédicace à toi, c'était 52 000 XP, merci. Et ben, c'est encore moi, 39 000. Là voilà le crâne de mon frère que je lui ai donné, que je vous expliquais, peut-être que je vais utiliser pour faire des coliseums. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, j'espère que. Bah, limite, j'ai pas envie de dire pour vous excuser, mais bon, pour essayer de rattraper les 60 pouces rouges, bah, essayez de mettre un peu plus de pouces verts sur cette vidéo aussi. J'espère que j'ai remis un petit peu tout à place, que ça va arrêter de dire que c'était un fake, parce qu'il y a aucun fake. Enfin, je vois vraiment pas l'intérêt de faire un faux hack comme vous avez l'impression de le dire. Et donc voilà, ben, je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de chercher des techniques Kama encore aujourd'hui jusque, je sais pas moi, jusque minuit. Je vais encore tester. Et peut-être demain, si j'en trouve une, ben, j'essaierai de vous poster ça et tester peut-être ce soir si ça fonctionne ou pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit commentaire et un pouce vert si c'est possible. Et pas de pouce rouge, s'il vous plaît. Allez, et ciao tout le monde. Ciao, ciao.